protéger tout le monde. Fiers et vaillants soldats d'Hyrule, le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques ont bien progressé. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume, comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage, soldats d'Hyrule. À présent, à l'attaque! Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Un nouveau let's play sur Zelda Hyrule Warrior. Donc voilà, un jeu incroyable. De toute façon, les Zelda, c'est incroyable. Donc, comme vous avez pu voir dans la cinématique, qu'est-ce que c'est comme histoire? En gros, c'est tout simplement une tonne de monstres qui attaquent Hyrule, donc le village ainsi que le château. Et nous, nous sommes Link et nous devons protéger Hyrule. Donc, c'est le principe de Zelda, hein, tout simplement, voilà. Donc, on va commencer, alors... Je ne connais absolument pas les touches, je n'ai jamais joué au jeu. Je n'ai pas fait la démo exprès pour pas jouer tout simplement. Donc voilà, là vraiment, je suis en mode découverte. Donc ça fait plaisir, hein, c'est... Ouais, c'est... Ça fait longtemps que j'avais pas découvert un jeu Zelda, quoi. D'habitude, je connais un peu par cœur et tout. Mais là, je ne connais pas du tout ce jeu. Donc on va voir, hein, on y dit. Bon alors c'est un style hack and slash, hein, donc c'est vous voyez la map en bas à droite, faut qu'on batte les points rouges, nous on est les points bleus, etc. Voilà, c'est un peu le but. C'est comme un One Piece Pirate Warriors, hein, pour ceux qui voient un peu ce que c'est. C'est comme un... Ouais, One Piece Pirate Warriors, c'est comme les anciens Hyrule Warriors tout simplement. C'est un hack and slash. Hein, voilà. Alors... Là, j'imagine que les rectangles... Allez. Ah.
ok. Très bien. En tout cas, le jeu est grave stylé. C'est exactement le même graphisme que Breath of the Wild. Et là, j'ai tu me fais pas voilà. Très bien. Éliminer le me. Ouais, donc c'est exactement le même graphisme que Breath of the Wild. Donc ouais, c'est plutôt cool, hein. Oh, oh, il fait mal quand même. Ah, on peut se protéger depuis tout à l'heure. Ok, bon, je savais pas. Un coup c'est fini là du coup. Voilà. Hop. Ok. J'ai beaucoup de vie. Voilà, on esquive. Hop là, on lui donne une masque d'épée. S'en sort bien. Ah, je suis content de jouer à Hyrule Warriors, ça fait un moment que je l'attendais. Enfin, depuis qu'elle a été annoncée en fait, hein, je l'ai attendu. Donc tous les jeux Zelda. Succès. Let's go. Je vous ferai Zelda Breath of the Wild 2 d'ailleurs, en let's play, quand il sortira. Mais il sortira l'année prochaine, donc ce sera dans longtemps. Mais bon. Les touches. Wow. Comment il y a ça? Normalement il n'y a pas des gros trucs comme ça dans Zelda. Ok. Il est où le gros là? Il est là. Ah, ça fait bizarre parce que. En fait, cette histoire de. Enfin, l'histoire de ce jeu là se passe avant l'histoire de Breath of the Wild. Et du coup. Bon, je vais spoiler pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais spoiler. Mais en fait, à la fin de ce jeu là, du coup. Alors, je connais pas le jeu, hein, j'ai jamais joué. Mais si on suit la logique, du coup à la fin on devrait perdre. Vu que dans Breath of the Wild, on perd. Enfin, le début de Breath of the Wild c'est en mode on a perdu machin. Du coup ça fait bizarre en fait. On joue un jeu, on fait plein de niveaux etc. Mais on sait qu'au final on va perdre. Donc non bon. Ah, petite cinématique peut-être. Qu'est-ce que c'est ?
Ok, du coup, on reprend. Donc... En fait, les cinématiques du jeu sont plutôt stylées. Et là, du coup, on a découvert Impa, qui est plus jeune dans ce jeu, forcément. Alors que dans Breath of the Wild, elle est vieille. Donc voilà. C'est plutôt sympa, en vrai, de voir ce qui se passe avant Breath of the Wild. C'était une très bonne idée de faire ce jeu. Hein. Pas se mentir. Alors, donc là, il faudrait du coup partir par là-bas. R plus Y, bombe à distance. Ah ouais. Triomis. Ah. Ah oui, on a les pouvoirs de la tablette Sheikah du coup. Et oui. Ok. Ok. Ah ouais, là il y a des bleus donc c'est un peu plus fort. Les bleus sont plus forts que les rouges. Mince! Oh non, j'ai utilisé le coup spécial. Ok, bon, au moins il y a des coups spéciaux. Il y a des coups spéciaux dans ce jeu. Moi j'ai hâte de tester un peu tous les personnages hein, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs persos jouables. J'ai pas vu qui y avait vraiment. Mais bon, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs donc j'ai hâte de tester tout ça. Ok. Bah, elle est là, du coup. Le problème c'est que dans ce genre de jeu les niveaux sont assez longs. Les niveaux sont assez longs, du coup je sais pas trop si les vidéos vont être longues ou pas, mais bon je vais essayer de faire des vidéos pas très longues. Que ce soit cool à regarder quoi. Comme ça vous ne dites pas. Ah ouais, la vidéo dure 40 minutes. Enfin voilà, c'est pas ça l'idée. Spécial. Hop là. Et ben voilà. Là on est bon. Là on est bon. On va faire. C'est marrant, on récupère les items comme dans Breath of the Wild à droite de l'écran, c'est les mêmes trucs. Ok. Ah là il y a des laser le plus. On va passer ici. Hop là. Alors. Où est le chef? Ouais, c'est un peu tout le monde en fait. Pas vraiment chef. Ça marche. Voilà. Ok. L'animation des attaques sont plutôt cool. Franchement, j'aime bien le jeu pour l'instant. Je sais pas si je vous ferai le jeu à 100% encore une fois. Voilà, je sais pas si on va le faire à 100%. En tout cas, on va le faire. C'est déjà pas mal. Ok. Et du coup. On a fini là, non? Les novices apparaissent sur le champ de bataille. Alors voilà. On va aller les chercher. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. C'est un peu la guerre. Hein.
non, il y a encore des Korogu dans ce jeu. Oh, ces fameux Korogu. Je savais même pas qui allait avoir les Korogu. Non, mais il n'y en aura pas 900. Dans Boss Oswald, il en avait 900. C'était la galère pour tous les trouver. Mais bon, d'ailleurs, je suis dégoûté. J'aurais dû lancer ma chaîne plus tôt pour faire Breath of the Wild en let's play. C'est mon jeu préféré. Ça aurait été grave bien. Mais bon, je l'ai déjà fait. Donc. Voilà quoi. Hop là. Après, tu l'es bien, c'est pas ouf. Un quart de cœur. Est-ce que dans les caisses il y a de la. Il y a de la vie. Il n'y a pas de vie. Rien. Okay, pour faire un coup spécial. Ah, je suis mort. Voilà, pour l'épisode 1, c'est pas mal. De mourir dès l'épisode 1, c'est trop cool. Ah oh, ouais, je reprends de là-bas. Ouais, faut pas mourir dans ce jeu en fait. Quoi? Surtout pas mourir dans ce jeu. On y va. Let's go. La carte est plutôt cool. J'analyse le jeu en fait. Ah, il y a des sorciers de glace. Enfin, des sorciers de feu. Ah, c'est plus feu. Je sais pas, il y en a combien de Korogu, mais. J'espère qu'il n'y en aura pas 900. Je sais pas comment on fait une attaque spéciale. Je crois que c'est comme ça. Fais pas encore tout à fait aux touches. Je vais vous dire, c'est un peu compliqué, mais ça passe. En fait, j'arrive pas à me retourner. C'est juste ça le truc. Là, je vais encore mourir. Ah oui, d'accord, il y en a 3 maintenant. Ah ouais non. Ah ouais non, je suis encore mort. Quoi ? Alors, d'accord au bout. Ça en était au courant. Alors, du coup. Goblins. Hop là, attaque spéciale dès le début, il y a quoi maintenant? Allez, les livres sont par là pour pas les deux sortent trop.
comme ça. C'est chaud quand même. Genre, il perd pas de vie. Il perd pas de vie. Et ils font qu'attaquer toutes les deux. Ouais, regardez. C'est trop dur. Aïe. Ok. Ah ouais, non, mais je me fais attaquer direct. Concentration. Okay, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, mais attendez. Quand il y a un truc bleu, là, c'est qu'il faut utiliser Cryonis. C'est ça en fait. Ah, j'utilise pas mes pouvoirs. Attendez, on va essayer. What? Il s'est passé quoi là? Bon, je fais que mourir par contre. Hein. Ça, c'est un peu. Enfin, le jeu est plutôt compliqué, je trouve. Quoi? Oh. En fait, ce qui me fait peur, c'est que dans ce type de jeu, les niveaux sont très très longs et très répétitifs. Du coup, je sais pas trop comment faire pour que les let's play soient intéressants, mais j'ai quand même envie de vous faire un let's play dessus parce que bon, c'est quand même un jeu cool. Et puis Zelda, Zelda c'est Zelda quoi. Donc bon. Faut voir, là ça va être un. Épisode 1, épisode test. Et je me doute que 30 minutes sur un gameplay qui est très répétitif, c'est un peu relou. Je suis d'accord. Un style de jeu assez particulier. Et il en reste un là-bas du coup. Ah oui d'accord, il prend des gens et il les jette en fait. Et là il est comme ça quoi. Ah il a pas d'arme. Régène, c'est vrai. Je me suis pas régène depuis le début. Voilà.
Voilà. C'est parfait. Du coup, j'ai l'impression qu'il y aura une cinématique là, on n'a plus rien à faire. Il n'y a plus de cartes. Bataille de la plaine d'Hyrule, victoire. Ok. Parfait. Et bah voilà. On est niveau 3, il me paye niveau 2. On a des armes, des trucs, des machins. Ok, on a eu pas mal de choses. Ok. Je pense que ça peut être le bon moment pour se laisser. Hein. Ah, petite cinématique. Un mystérieux gardien. Une mystérieuse tour. J'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Hé ! Attends-nous ! Soldat, vous avez fait du très bon travail. Te voilà. Tu es saine et sauve. Les déesses soient louées. Oui, votre Altesse. Je vous apporte la tablette Sheikah de la part de Kua. Oh hein? Votre Altesse. Le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikah. Il y expliquait qu'il avait remonté le temps depuis le cœur même du fléau afin de sauver Zelda. Impa suggéra de charger les chercheurs en reliques, Prua et Pharas, d'étudier ce gardien, ainsi que la tour qui était soudainement apparue dans la plaine. Et le roi d'Hyrule approuva cette demande. Ok, du coup là, donc j'imagine que c'est notre personnage, Link, et on a débloqué du coup Impa, voilà. Pas mal. En plus j'aime bien Impa de manière générale, c'est plutôt cool. On a encore plein d'autres personnages à débloquer. Donc c'est exactement la même map que... Ouais, c'est exactement la même. Enfin, moi ce qui m'intéresse... Ah, donc ça c'est une petite quête secondaire. Ça c'est plutôt principal, je pense. Ah oui, et on a des niveaux suggérés, enfin des niveaux, c'est... Ok. Moi j'aimerais bien aller vers là-bas. Vous comprenez pourquoi, je pense. Mais ouais. Non mais voilà, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Jeu assez cool. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se reviendra pour un prochain épisode sur la chaîne. Épisode numéro 2 qui sortira bientôt. Ciao tout le monde!